Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Je vous remercie pour votre fidélité. J'ai 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis très contente de ce résultat. C'est grâce à vos abonnements, vos likes, votre participation sur la chaîne que j'ai pu avoir cette évolution. Eh bien, j'espère qu'on va rester ensemble pour longtemps. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder un thème assez intéressant, les surprises du printemps. Eh bien, peut-être on aura des changements intéressants, quelque chose que vous n'attendez pas. On va voir tous les détails. Eh bien, je vais regarder trois positions principales. Donc, on va dire trois surprises. En plus, j'ai les nouvelles cartes. On va voir cette nouvelle guidance, les nouvelles énergies pour vous. Je vais utiliser le tarot différent. Pensez vraiment à votre vie. Posez vos questions. Peut-être qu'on va avoir des réponses maintenant. Et n'hésitez pas de proposer vos thèmes parce que parfois, le tirage général peut se retrouver pour vous comme une guidance privée. Eh bien, je commence les surprises du printemps. Qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, je vois qu'il y a une évolution qui vous attend. Vous savez, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup de voyages que vous pouvez faire, ou peut-être un voyage qui sera assez important, qui va vous ouvrir des perspectives pour le futur. Ou vous savez, pour certaines personnes, ça peut être un déménagement, où vous pouvez acquérir une résidence secondaire. Et peut-être comme ça, vous pouvez profiter vraiment de la vie, passer des vacances agréablement, donc trouver une certaine harmonie. Mais je vois quand même que votre vie évolue. Peut-être vous pouvez aussi réaliser vos plans, projets. Et ça sera peut-être pour vous une surprise, quelque chose que vous n'attendez pas. Vous pensez que peut-être vous ne pouvez pas le réaliser au printemps, mais ça va se produire. Et vous savez, j'ai une très belle carte ici. Quand ça me montre que vous allez avoir un résultat, quelque chose que peut-être vous réalisez dans le travail, dans la vie amoureuse, et vous ne voulez pas vous arrêter à ce petit résultat, vous allez planifier votre vie plus loin, plus grand, vous allez avoir les projets grandioses. Vous savez, j'ai un indice également ici que pour certaines personnes, les projets liés à l'international, ça peut être important. Peut-être vous pouvez apprendre une langue étrangère, ça va jouer sur votre travail. Une rencontre avec une personne qui vient de l'étranger, c'est possible qu'il va vous ouvrir des perspectives, les nouveaux horizons, donc voilà, ou toujours un voyage à l'international que vous pouvez faire, et peut-être le pays va vous plaire tellement que vous allez planifier ensuite votre vie, peut-être justement un achat immobilier ou même le déménagement, l'immigration pour certaines personnes, c'est tout à fait possible. Mais je vois quand même que vous pouvez avoir une évolution de vos plans, projets. Donc en général, on va voir les détails, ça concerne quoi exactement. Donc l'évolution de votre vie, et ensuite ça va jouer sur votre futur, et vous trouvez également une harmonie financière. Eh bien, on va voir les détails par rapport à cette surprise. Eh bien, très intéressant. Vous savez, j'ai la carte Le Monde qui montre ici. Vous savez qu'un cycle se termine dans votre vie. Ça peut être que vraiment une période, quelque chose d'important que vous terminez. Vous avez le résultat, vous réalisez quelque chose et vous ouvrez comme une nouvelle page. Mais ça peut être quelque chose d'assez important. Par exemple, vous avez un nouveau poste dans le travail ou dans la vie amoureuse, vous avez un engagement. Mais on va voir les détails, mais déjà quelque chose assez important qui peut se passer. Je vois l'énergie de madame ici. Vous êtes une femme charismatique, charmante, attirante. Vous êtes leader. Je pense que vous allez vous montrer de cette façon. Donc, dans la vie professionnelle, vous pouvez peut-être avoir une évolution. C'est tout à fait possible. Quand vous montez à un autre niveau, vous pouvez même créer votre entreprise. C'est tout à fait possible. Vous vous montrez comme leader. Vous prenez le risque pour changer votre vie. Et ça, vous ne fait pas peur du tout. Vraiment, pour vous, ça vous motive, ça vous donne cette énergie explosive, vous devez le savoir, et bien. Et vous savez, il y aura aussi beaucoup de rêves, fantasmes par rapport à votre vie, donc dans votre vie en général. Et vous savez, je pense que ça peut concerner n'importe quel domaine. Vous savez, ça peut que vous réalisez quelque chose dans votre travail, vous avez plus de possibilités, perspectives, les finances arrivent, et vous planifiez votre vie ensuite, peut-être des achats importants, vous vous faites plaisir. Donc, il y a un domaine qui se change, et ça peut après, ensuite, changer votre vie globalement. Et bien, je vois qu'ici, il y a un monsieur qui sera présent dans votre vie, et on vous voit ici dans les mêmes énergies, ça peut indiquer
voyez que vous avez donc un couple, peut-être vous pouvez créer même la famille et vous allez avoir les plans, projets en commun, vous allez rêver beaucoup par rapport à votre futur ensemble, et bien, et alors la carte du diable, très intéressant, je ne peux pas vous montrer parce que c'est très érotique, mais c'est un accent, vous savez, c'est les relations sexuelles que vous allez avoir beaucoup de passion dans votre relation, et vous savez, justement, cette carte des rêves, ça peut montrer les éventuellement les fantasmes sexuels que vous pouvez avoir entre vous, et vous savez, c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de plaisir, bien sûr, beaucoup de sensations, vous devez le savoir, vous savez, ça, cette carte, le diable, ça peut montrer l'attirance incroyable, la passion, attachement également, vous allez vous attacher l'un à l'autre tellement que donc ça sera quand même assez fort, ça sera irrésistible, mais je vois quand même ici cette belle carte, la chance, les perspectives que la vie vous donne, vous savez, c'est un petit peu la carte comme le cadeau de destin que vous allez recevoir, et donc là ici ça peut vraiment concerner votre vie en général, premièrement dans votre vie professionnelle, il y aura peut-être justement un nouveau poste qui va vous apporter les finances par la suite, ça peut jouer sur votre vie par le fait que vous allez avoir la stabilité, le confort, c'est tout à fait possible, quand toujours un indice pour l'achat d'un bien immobilier que vous pouvez faire, ici on regarde la relation amoureuse, je vois ici que deux personnes, quand vous êtes vraiment deux personnes très charismatiques, vous aimez vraiment ces sensations, donc l'amour, la passion, je pense que peut-être votre relation, ça peut commencer par ces sensations que vous avez, peut-être par les relations sexuelles, mais ensuite vous allez planifier votre vie à long terme, donc c'est tout à fait possible quand votre relation va devenir stable, donc c'est possible, et alors j'adore la carte la force, une très belle carte qui me montre vraiment toujours cette passion que vous pouvez avoir donc dans votre couple, et en particulièrement on voit aussi cette femme, vous pouvez avoir ce charisme, charme, magnétisme, et vous savez un petit indice, donc ici vous devez essayer de trouver une certaine souplesse donc dans votre couple, dans votre vie en général, parce que vous pouvez avoir le caractère tellement fort que vous pouvez essayer peut-être dominer dans votre pouvoir, peut-être gérer une équipe, une entreprise, peut-être vraiment vous avez ce sens de contrôle, mais vous devez essayer de trouver une certaine souplesse et vous allez avoir un meilleur résultat par la suite, mais toujours un accent sur la passion, donc toujours ces fantasmes sexuels que vous pouvez avoir, et surtout messieurs, par rapport à madame, je pense que madame, elle va vous surprendre, une femme très charismatique, et justement, regardez, j'ai la carte qui me montre cette énergie de feu, l'explosion de sensations, c'est un as. Et vous savez, déjà, là, ici, dans ce tirage, on voit deux as. C'est vraiment un très bon indice que vous avez un nouveau départ dans votre vie au printemps. Donc, ça concerne des perspectives, c'est un petit peu comme la chance que vous devez utiliser. Et donc, maintenant, on voit cet as qui montre l'énergie de feu, l'explosion, toujours les sensations que vous avez dans votre vie amoureuse. Et vous prenez le risque pour changer quelque chose. Vous pouvez avoir des nouveautés dans votre vie, et donc voilà, vous savez, ça peut aussi indiquer que vous avez cette rencontre et votre relation évolue tellement vite que vous prenez des grandes décisions, peut-être pour s'installer ensemble, c'est possible, ou même peut-être vraiment un engagement par la suite, donc ça peut changer globalement ensuite votre vie, mais je pense qu'en général vous allez réaliser vos rêves et fantasmes, et j'adore, j'ai la carte les amoureux aussi, très érotique, je ne peux pas vous montrer absolument, la carte les amoureux, ça montre toujours cette union que vous pouvez avoir donc dans votre vie, cet homme, cette femme qui va jouer un rôle important, et peut-être déjà au printemps vous allez vous dire que il joue un rôle important pour moi et j'ai envie de créer peut-être cette union. Et vraiment, vous savez aussi, nous avons vu cette carte, le diable, ça peut montrer vraiment un attachement que vous avez l'un à l'autre, et vraiment une attirance irrésistible, donc impossible de s'en passer. Et bien, très intéressant, donc nous avons vu que déjà, dans votre vie, vous pouvez avoir une grande évolution. Je pense que on voit ici plutôt la vie amoureuse qui va vous donner un grand changement, et peut-être même, vous allez vous diriger vers la relation stable, c'est tout à fait possible. Et
vous allez surtout planifier votre vie ensemble. Il y aura des projets grandioses et même en déménagement, c'est tout à fait possible. Et je vois toujours cet accent sur les sensations, l'amour qui vraiment déborde, cette attirance que vous avez l'un vers l'autre. Donc ne ratez pas cela, cette rencontre. Et bien, on va voir la suite. Donc, la deuxième surprise du printemps. Et qu'est-ce que nous devons savoir? Et bien, très intéressant, regardez. Donc là, ici, je vois la personnalité de monsieur. Mais c'est un empereur. Et bien, vous savez, quelqu'un très fort qui a ses objectifs dans sa vie. Il a la personnalité de quelqu'un qui est déterminé, qui sait qu'est-ce qu'il souhaite avoir dans la vie. Il n'abandonne pas qu'à la difficulté. Vraiment, quelqu'un qui peut être aussi autoritaire. Et bien, je vois également la personnalité de madame, la grande prêtresse. Ça montre que vous avez une sagesse incroyable dans votre vie. Vous savez, ça peut indiquer également votre intérêt vers l'ésotérisme et qu'avec les tarots, peut-être l'astrologie, vous pouvez avoir une guidance assez importante. Vous devez suivre cela et surtout suivez votre intuition. Et je pense qu'ici, je vois quand même toujours un accent sur la vie amoureuse qui se développe. Il y aura des événements, donc peut-être des changements dans votre vie qui vont vous donner énormément de plaisir. Et bien, on va voir les détails. Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cette surprise? Donc peut-être cet empereur, la guidance des cartes, eh bien vous savez, ça peut être votre destin, parce que si j'ai la roue de la fortune, ça me montre vraiment peut-être cette rencontre inattendue que vous pouvez faire. Ça sera vraiment une surprise pour vous et ça peut changer considérablement votre vie. C'est tout à fait possible. Donc voilà, vous savez aussi que la roue de la fortune, ça nous donne des mouvements, des changements rapides et nous devons nous adapter. Et toujours commencer qu'elle se termine dans votre vie, et il y a quand même des changements assez importants. Et je vois également que vous allez avoir peut-être une fête, et quand vous allez communiquer beaucoup autour de vous, cette joie de vivre, et vous allez peut-être avoir aussi un résultat, quelque chose que vous fêtez, c'est tout à fait possible. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez, celui-là, ça se passe après une petite attente, et alors j'adore, parce que regardez, il y a la carte l'empereur qui se répète. C'est-à-dire que vraiment un accent pour mesdames, surtout que cet homme va jouer un rôle important, quand il sera vraiment déterminé, peut-être pour changer votre vie, c'est tout à fait possible. Vous savez, ça peut indiquer également, c'est possible que c'est votre chef, qu'il va avoir une influence sur vous assez importante également. Et donc là, je pense que vous pouvez avoir des surprises, des propositions, c'est possible. Et après une longue attente, vous avez un résultat dans votre travail également. Mais surtout, vous devez suivre votre intuition. La vie va vous donner des indices. Peut-être il y aura les rêves qui se réalisent. Vous allez avoir des pressentiments. C'est tout à fait possible. Mais on va voir encore les détails. Ça concerne quoi exactement? Vous savez, ça sera quelque chose de très rapide. Quand vous pouvez avoir des changements, des nouvelles. Donc après, peut-être cette rencontre que vous faites, après l'influence de cet empereur sur vous, donc il y aura des changements rapides. Et je vois quand même que vous prenez du plaisir. Vous savez, je pense qu'ici, quand même, on voit la vie amoureuse. Parce que cette carte 9 de coupe, ça montre quand même que vous débordez des bons sentiments, des émotions. Donc je pense qu'il y a bien l'amour qui est présent dans votre vie et vous profitez de la vie complètement. Je pense que cet empereur, il peut changer d'une façon positive votre vie. Il peut peut-être réaliser vos rêves, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous savez, peut-être ça peut commencer par quelque chose, peut-être cette rencontre que vous faites. Et petit à petit, la vie vous donne cette chance. Il y aura peut-être même plusieurs événements dans votre vie qui vont se passer après cette rencontre, mais il y aura une évolution rapide et vous allez avoir cette euphorie dans votre vie, c'est tout à fait possible. Vous allez trouver une satisfaction, quelque chose que vous n'avez pas en ce moment, vous allez l'avoir au printemps, vous devez le savoir, et après un peu de patience. Vous savez, c'est la carte de résultat, quand peut-être vous allez faire des efforts, vous étiez en attente de quelque chose, que votre vie change, en attente de surprises, peut-être de destin pour vous, et ça va surpasser au printemps. Vous savez, si vous avez eu éventuellement des difficultés, quelque chose qui vous bloquait, eh bien, ça reste dans le passé. Vous savez, pour certaines personnes, je vois ici des indices que peut-être cette attente d'avoir des changements vers le positif, la réalisation de vos rêves, ça pouvait durer longtemps, peut-être même depuis un an. C'est possible, et même vous vous sentez parfois comme une victime dans cette attente, mais je vois quand même que cette situation difficile, elle se termine, peut-être aussi si vous
vous avez eu des pensées négatives, ça vous inquiète, votre futur, et vous allez vraiment donc avoir le résultat. Je vois cette carte des efforts que vous allez faire. Donc, vous savez, ça peut indiquer toujours la vie professionnelle. Donc, si vraiment cet empereur, ça montre quelqu'un qui est autoritaire pour vous, donc c'est possible que vraiment vous allez avoir cette évolution dans votre travail. Vous pouvez vous montrer quelqu'un professionnel, perfectionniste. Vous allez faire attention à tous les détails et ça va vous donner cette satisfaction totale. Donc, vraiment l'état d'euphorie quand vous réalisez beaucoup de choses. Les finances vont arriver également. Ici, on regarde la vie amoureuse. Vous allez faire beaucoup d'efforts également dans votre couple quand vous allez faire attention à tous les détails et votre vie se développe. C'est la carte qui se répète en plus. Donc là, ici, je vois que après cette surprise, peut-être cette rencontre que vous faites avec cet homme en particulier, votre vie évolue. Mais après, une attente, ça évolue d'une façon assez dynamique. Donc, vous devez le savoir, et bien, et alors j'adore la carte Le Chariot, mais ça nous montre toujours cette évolution, mais maintenant quelque chose assez global dans votre vie, vous savez, donc développement total de votre vie, vous réalisez vos plans, projets, ça peut même jouer sur votre personnalité. Quand vous allez vous sentir motivé, déterminé pour changer votre vie, vous allez prendre le risque, justement comme nous avons vu au début, pour éventuellement apporter tout le changement dans votre vie. Je pense que la vie va vous donner cette surprise de faire cette rencontre avec l'empereur, et ensuite ça va tourner de telle façon que vous devez vous adapter au changement qui arrive et votre vie évolue. Vous savez, j'ai toujours un indice ici pour le déménagement, donc que vous pouvez avoir, et ça va vous donner des perspectives incroyables. C'est aussi la carte de succès, victoire. Ça peut montrer également les finances qui arrivent dans votre vie, mais il y a vraiment cette surprise qui se passe, qui vous donne cette évolution mais incroyable dans votre vie. Vous devez le savoir, après une petite attente, vous savez, c'est la carte qui me montre toujours que il faut toujours avoir du positif. Et donc si, et parfois il y a des événements sur lesquels on ne peut pas agir, donc à un moment donné la vie nous donne quand même ce changement, cette surprise. Nous avons vu la roue de la fortune. Et ensuite, vous devez vous adapter et vous avez cette possibilité qu'il ne faut pas rater pour changer votre vie. Eh bien, mais surtout, suivez votre intuition. Cette carte, la grande prêtresse, ça montre cela. Je pense que vous allez avoir des indices de la vie par rapport à cet homme qui va jouer un rôle important dans votre vie. C'est tout à fait possible. Vous savez, maintenant, quand je réfléchis encore, cet empereur, ça peut montrer également quelqu'un autoritaire pour vous. C'est pas tout simplement un homme dans la vie amoureuse qui peut changer votre vie, c'est pas votre chef, mais ça peut indiquer également votre père. Et je pense que ici, peut-être madame, vous allez prendre certaines décisions avec une certaine sagesse en suivant votre donc intuition. Et je vois quand même cette carte qui montre que votre relation évolue, que vous pouvez avoir peut-être une rencontre, mais vous réalisez quelque chose donc ensemble qui vous donne vraiment cette satisfaction. J'ai un indice justement ici que nous avons vu, une fête que vous pouvez avoir. Donc vraiment, s'il y a un événement, profitez bien peut-être pour donc avoir cette évolution dans votre relation. Donc c'est tout à fait possible. Eh bien, on va voir la suite de troisième surprise. Qu'est-ce que nous devons savoir pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez, donc là, ici, je vois que peut-être si vous avez eu des difficultés, certaines personnes pouvaient avoir comme une impasse. Vous pensez que vous ne pouvez pas avancer dans le futur. Eh bien que non. Je pense que c'est la carte qui me montre que vous ne devez pas abandonner. Vous devez être sûr de vous et vous dire que je suis capable d'avoir peut-être ce poste, de réaliser mes plans, projets, je mérite mieux. Parce qu'ensuite, je vois quand même que vous avez un nouveau départ. C'est une très belle carte en As, déjà le troisième dans cette guidance, qui me montre que vous avez un nouveau départ dans votre vie. Mais parce que vous avez tout analysé, vous avez vu les pour et les contre, et donc je pense que vous avez pris une décision assez importante. Ça peut indiquer également un engagement qui change votre vie, donc voilà, d'une façon assez positive. Vous avez comme un nouveau départ. Ça peut indiquer également la signature de documents officiels. Bon, on va voir les détails, bien sûr, la guidance du tarot. Qu'est-ce que nous devons savoir? Et vous savez, toujours cette carte de futur, c'est la carte qui se répète et qui montre justement que quelque chose va se passer
pour vous au printemps. Peut-être qu'une situation difficile va se débloquer. Donc, je pense que vous allez toujours montrer votre volonté, détermination. Ça, c'est un indice de carte pour vous. N'abandonnez pas si vous avez éventuellement une crise. Et je pense que par votre décision que vous prenez, ça peut indiquer également une proposition que vous avez peut-être prochainement. Vous planifiez votre vie. Il y a des perspectives qui s'ouvrent à vous, grandioses. Et donc, vous voyez votre futur loin. Vous savez, j'ai toujours un indice ici sur une rencontre que vous pouvez faire ou éventuellement un plan, projet. C'est tout à fait possible. Et bien, attendez, je vais voir quelque chose. Qu'est-ce que je dois savoir par rapport à cela? Eh bien, très intéressant. Vous savez, je dois vous dire que là, ici, peut-être, donc cette impasse qu'on voit ici, ça pouvait se passer à cause d'un homme en particulier qui était malhonnête avec vous dans le passé. Vous savez, c'est un célibataire qui, peut-être, ne montre pas vraiment ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être a utilisé les moyens qui ne sont pas honnêtes. Il a eu peut-être des mensonges, des tricheries. Donc, c'est tout à fait possible. Mais je vois quand même que, madame, pour vous, vous sortez de cette situation. Il y a la prospérité qui arrive dans votre vie. C'est vraiment une très belle carte de résultats, de récolte. Et je vois également cet indice pour vous. Donc, l'énergie de madame ici, quand vous avez votre vie stable, confortable, quand vous pouvez vous réaliser dans le travail, vous avez les finances qui arrivent également. Et vous savez, c'est une femme qui a une famille, qui épouse, mère. Peut-être vraiment, je vois ici cette évolution d'une certaine impasse quand vous ne voyez pas votre futur. Et peut-être même vous avez eu une relation avec des mensonges, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous ouvre des perspectives incroyables. Et surtout, cette belle carte de prospérité. Vous savez, quand vous pouvez vous permettre beaucoup de choses, ça peut indiquer que vous pouvez vous réaliser dans le travail. Il y a vraiment les finances qui arrivent et vous avez cette situation confortable et quand vraiment vous avez la stabilité, le confort, mais ça peut indiquer également une nouvelle relation. Et par le biais de monsieur qui a sa réussite, vous avez aussi cela, peut-être cette relation, la création de la famille qui vous donne également cette stabilité et le confort. Mais on va voir un petit peu la suite. Et justement, regardez, je vois l'énergie de monsieur, c'est un homme qui arrive dans votre vie. Je pense que c'est avec lui que vous allez avoir donc cette évolution dans votre vie. En plus, c'est la carte qui se répète. Nous avons vu l'énergie de cet homme au début. Eh bien, le tarot me confirme cela, que vraiment cet homme, il va vous permettre peut-être de résoudre vos problèmes. Quand vous sortez de cette impasse et vous laissez le passé derrière vous, vous savez, toujours quelqu'un charismatique. Donc, il aime des changements, il prend le risque dans sa vie. Bien, très intéressant. Il toujours garder la carte de rapidité qui se répète également. Donc, c'est très intéressant. Et quand la carte se répète, ça double sa signification. Donc, préparez-vous. Donc, ça va se passer très rapidement. Donc, prochainement, dans votre vie, au printemps. Donc voilà, vous savez, peut-être même, ça peut indiquer que vous avez cette rencontre, donc peut-être vraiment au début de printemps, et après, votre vie évolue, mais très rapidement, donc, et alors j'adore, mais regardez, vous n'allez pas me croire, parce qu'il y a les cartes qui se répètent, on vous voit toujours ici, dans les mêmes énergies, madame et monsieur, quand vraiment vous correspondez l'un à l'autre, donc nous avons vu également ici, donc ces deux personnes, donc monsieur et madame, dans les énergies de feu, eh bien, je pense que vraiment, vous allez vous correspondre l'un à l'autre et quand ensemble, vous allez prendre le risque. Je pense que, madame, pour vous, mais tout change complètement. Déjà, je pense que tout soit clair pour vous. Votre futur, vous allez planifier votre vie avec cet homme et vous allez surtout avoir cette force à l'intérieur de vous quand vous serez déterminé, quand les difficultés, ça ne vous fait pas peur et vous avancez très rapidement vers le futur. Vous savez, je vois également que vous pouvez avoir le choix. Donc, peut-être, vous savez, ça peut indiquer donc le choix peut-être d'être en couple. Parce que regardez, après, ensuite, j'ai tout de suite la carte qui me confirme cela, la carte de mariage. Je pense qu'il aura le choix de créer le couple, peut-être la famille, de vous engager. Et j'ai la carte, le mariage que je vois ici, peut-être ce que vous attend. Donc, vraiment, cet engagement donc, officiel. En plus, c'est possible que même vous avez la cérémonie à l'église. C'est pour ça qu'on voit ici au début cette carte.
qui peut indiquer justement la décision que vous prenez et un engagement et la signature de documents officiels. Et bien, et vous savez toujours cet indice, vous ne devez pas abandonner. C'est la carte qui se répète également. Vous savez, si vous avez des idées par rapport à votre futur, qu'est-ce que vous souhaitez avoir, quelle relation amoureuse vous souhaitez, vous ne devez pas abandonner cela, vous ne devez pas accepter un homme du passé qui vous fait la souffrance, qui n'est pas honnête avec vous. Non, tout ce qui ne vous satisfait pas, tout ce qui vous pèse, vous devez laisser absolument cela dans le passé. Et vraiment, n'abandonnez pas, montrez vraiment vos envies et désirs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et vous allez trouver une certaine harmonie. Vous savez, ça peut montrer donc un budget en commun ou en général l'harmonie, peut-être quand vous trouvez une certaine balance dans votre vie. Et toujours un indice sur le choix que vous pouvez faire. Vous savez, j'ai plusieurs cartes qui me montrent l'international. Et bien, pour certaines personnes, ça peut être vraiment votre projet, donc déménager à l'international. Et je vois également ici, madame, vous serez amoureuse. Et vous savez, ça peut indiquer plusieurs cartes que je vois ici. Peut-être vous pouvez vous bloquer un petit peu ce que vous ressentez, les sentiments, l'amour, parce que vous n'avez pas de confiance vers les hommes. C'est possible que votre situation du passé, ça peut vous bloquer. Mais je vois quand même que vous trouvez un moyen pour aimer de nouveau, pour avoir l'amour qui arrive dans votre vie. Je pense que cet homme qui arrive, il vous transforme. Donc vous allez vous sentir mais bien avec lui. Eh bien, j'ai la carte de très bons souvenirs. Vous savez, très bon moment de nostalgie, peut-être que vous pouvez avoir. Ça peut indiquer, vous savez, que votre relation, ça peut durer après avec des années. Et après, quand le temps passe, vous allez penser votre début, comment c'était. Mais c'est quand même une très bonne carte. C'est aussi la carte des enfants. Peut-être que ça sera votre projet. Alors, j'adore. Parce que regardez la carte, l'empereur, il se répète 3 fois. Eh bien, très intéressant. Voyez la guidance du tarot pour vous. Donc, attention. Vraiment, au printemps, il y a cet homme. Donc, assez fort qui va arriver dans votre vie. Vous savez, peut-être il ne va pas vous laisser le choix. Il peut être vraiment très fort, déterminé pour changer votre vie. Il peut être, il va vous donner des perspectives dans votre relation. Il faut tout simplement le suivre. Mais je vois quand même qu'il ne sera pas autoritaire. Peut-être il ne va pas montrer son pouvoir avec vous. Peut-être il peut être autoritaire dans son travail. Il peut occuper un poste avec des grandes responsabilités. Il peut avoir même son entreprise. C'est tout à fait possible. Mais je vois quand même que avec vous, il y aura des sentiments qui se développent. Je pense que, madame, ici, on voit également cette carte qui montre que cet homme, il va vous aimer. C'est une femme qu'on aime également. Donc, voilà, et bien, quelques indices, comment il va se comporter avec vous. Ben, alors, j'adore la carte de deux coupes, mais c'est une carte de l'amour mutuel. Quand je pense qu'avec vous, il sera quand même romantique. Il aura des compliments, il aura l'attention vers vous. C'est pour ça, on voit tout de suite cette femme, quand vous allez peut-être vous détendre complètement, vous allez montrer votre féminité, sensibilité, vos sentiments également. Peut-être vraiment il peut changer un petit peu votre personnalité quand vous allez avoir confiance vers cet homme, parce que il est très fort. Vous savez, même peut-être quand on regarde la personnalité de cet homme par rapport à la famille, il peut vous donner la stabilité, le confort que vous avez besoin. Il peut vous protéger également. Donc justement, là ici, je vois comme la carte qui me montre cela, que vous trouvez une harmonie dans votre vie en général, et vous trouvez comme une protection dans cette relation qui va vraiment vous donner ensuite cette stabilité, confort en général. Et bien, très intéressant, nous avons vu cette guidance des surprises du printemps. Je vais voir quelques cartes de conseils, comment vous devez vous comporter. Vous savez, j'ai la carte de communication, donc c'est un petit peu un indice que n'hésitez pas à faire des rencontres donc prochainement, ce sera quelque chose d'important. Ça peut indiquer également une formation que vous pouvez faire pour votre travail. Soyez patient un petit peu, mais le résultat, il n'est pas loin. Donc voilà, et bien, vous savez, toujours attention à quelque chose que vous avez besoin pour retrouver la satisfaction totale. Donc ça, c'est important également. Donc, et alors, j'adore la carte, le chariot, qui se répète également. Vous savez, un indice pour vous, le conseil, n'hésitez pas à prendre tout dans vos mains pour gérer votre vie, pour avoir cette évolution.
le développement. Donc, c'est la carte qui montre que grâce à vous, grâce à votre personnalité, votre détermination et motivation, vous pouvez changer vous-même votre vie. Peut-être la vie vous donne des surprises, cette rencontre, peut-être l'amour, les sensations qui arrivent. Il y aura d'autres événements qui peuvent se passer dans votre vie. Vous avez cette évolution vers le futur. Vous pouvez vous réaliser également. Donc, j'ai vu ici la personnalité de madame. Quand vous avez vraiment donc des sentiments dans votre vie, vous sentez confortable, donc la stabilité, vous profitez de la vie. Mais cette carte, ça montre vraiment, ça dépend de vous. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez cette force pour changer votre vie. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie. Bonheur, amour, et bien sûr, le destin vous appartient.